sens bien, là. Dans tes bras, je pourrais rester comme ça toute la journée. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ah ben moi, j'ai une galerie à faire tourner, moi, monsieur. Et puis, il faut que je m'occupe de ma petite employée, la former, et puis lui montrer les rudiments du métier, tout ça, quoi. Je croyais que c'était à peine si elle savait faire un café. Alors, au début, c'est vrai, il y a eu quelques petits ratés, mais elle a su redresser la barre. Bah, écoute, tant mieux. Tu sais que je l'ai vue tout de suite, hein, qu'elle avait du potentiel, cette gamine. Bah, c'est étonnant, parce que moi, à chaque fois que j'ai voulu engager un petit jeune, bah, c'était la cata. Impossible de leur déléguer quoi que ce soit, fallait toujours repasser derrière. Ah non, mais ça, c'est pas de la chance, mon coco, c'est du flair. Je peux t'aider à découvrir le tien, si tu veux. Ah, j'ai hâte d'être ton novice. Quand est-ce qu'on commence? Alors, je t'aurais bien dit tout de suite, tu vois, mais... Mais bah, je suis très, très, très occupée avec un gars méga sexy qui m'emmène faire des promenades à cheval. En effet, c'est difficile de lutter, là. Je trouve aussi. En réserve. Je me suis dit que ce serait pas contre un petit cappuccino. Oh, merci, c'est gentil. Alors, comment ça s'est passé depuis ce matin? Bah écoutez, ça va. C'était assez calme. On a eu 3 visiteurs. Ils ont rien acheté, mais je pense qu'ils étaient là par curiosité. Bon, ça c'est grâce à ta vidéo. Est-ce que tu sais que ça a fait des vues ou pas? Bah ça marche pas mal, ouais. Parce que ça nous fait un peu de pub. Ah non, mais je te confirme, hein. Rien qu'hier, j'ai eu 2 clients qui m'ont téléphoné. Ils étaient très intéressés par mes touches d'eau. Et ils m'ont dit qu'ils avaient vu ta vidéo. C'est pas vrai? Mais c'est génial! C'est toi qui es génial. Hein, t'es en train de redynamiser l'image de la galerie. Hein. Ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Bah, je suis contente si vous êtes contente. Je suis pas contente. Je suis ravie. D'ailleurs, tu peux peut-être faire d'autres vidéos. Bah ouais. Alors, il faudrait montrer l'actualité de la galerie, les nouveautés, les futurs vernissages. Tu pourrais peut-être faire ça. Ouais, complètement. Alors, c'est vrai que si on n'est pas, tu vois, constamment branché sur les réseaux sociaux, bon, on n'existe pas, hein, t'es d'accord? Ouais, complètement. Mmh. Ouais. Vous savez, c'est comme ça que moi je me suis fait connaître avec mes graphes. Ah bah tiens, faudrait que tu me montres ça un jour, hein, que je regarde à quoi ça ressemble. Ouais. Eh ben écoutez, je peux vous montrer maintenant, d'ailleurs, si vous voulez. J'en ai quelques-uns sur mon téléphone, déjà. Attends, tu veux voir? Ah oui, d'accord. Mais il y a un truc. C'est... Non, mais il y a un univers, il y a une énergie. Par contre, il faudrait voir ça en grandeur nature. Je peux organiser une expo de mes graphes à la galerie, si vous voulez. Ça, vous les verrez grandeur nature. Oh, non, non, dis donc, minute papillon, hein. Non, mais c'était une petite blague. Oui, chaque chose en son temps. Oui, oui, oui. Bah oui, bien sûr. Mm. Je savais pas qu'on avait vendu ces photos. T'occupes. Allez, va me coller les vignettes là-bas, là. Tiens. Allez. Je te resserre? Non, merci, ça va, je suis full, là. J'ai plus faim. C'était délicieux, ta viande. Un délice. Eh ben, c'était pas de la viande. Ah bon? C'était du soja.
T'as vu, je me suis amélioré en cuisine depuis que je bosse au Sauvage. Mais grave. Bah, faut que tu me donnes la recette, hein. Bon, et toi, ça va, sinon? Ça va. Évidemment que ça m'en triste de plus être avec ton père, mais... C'était la seule solution. Je vais pas continuer comme ça. Ouais. Enfin, tu réponds pas vraiment à ma question, là. Ça va? Et depuis quand c'est les enfants qui prennent soin des parents, et pas le contraire? Mais pourquoi pas? L'amour, c'est pas à sens unique, si? Avec Kira, on s'inquiète? Ça va. Je t'assure, on gère avec ton père. Ça va. Tu l'as vu, dernièrement? Bah, j'ai pris un café avec lui hier. Et donc? Ça va pas. Enfin, il gère un peu comme toi, quoi. Tant mieux. En fait, je crois qu'il est un peu soulagé que votre séparation se fasse en douceur. Tu sais, j'ai essayé que ça s'arrange entre nous, mais... J'ai pas réussi. Mais t'as pas à t'en vouloir. L'amour, c'est comme ça, ça va, ça vient. En tout cas, moi, je t'en veux pas. Et puis, je voulais surtout te dire que... Même si ton père et moi, on n'est plus ensemble, ici, c'est chez toi, on est une famille, et... Ça change rien, je te considérerai toujours comme mon fils. Pour moi non plus, ça change rien. Elles sont parties comme des petits pains. J'en ai plus une de dispo. Déjà? Un vrai raz-de-marée, je n'ai jamais vu ça. Oh. J'ai bien fait d'en acheter une juste après le vernissage, alors. Je confirme, parce que tu vas te faire une énorme plus-value d'ici quelques mois. Qu'est-ce que t'en sais? Ah, moi, j'ai pris une assurance pour une touche d'eau au prix fort, et ça va faire tremper la cote de l'artiste. Mais c'est pas bête comme astuce. Ah, bah, c'est pas de moi, c'est un tuyau de Nicolas. Ah. Ah oui, il m'a conseillé aussi de faire savoir que mes Toshido étaient sous-cotés, pas pour longtemps. Résultat, tout le monde s'est jeté dessus. Mais il est très bien, ce petit Nicolas. Celle-là, elle est réservée? Ah bah, tu vois bien, il y a une gommette rouge dessus. Dommage. Elle irait bien dans mon bureau. Tu me la vends? Oh là là, dis donc, ça m'embête, là, parce que je me suis déjà engagée auprès d'un gros client. Je suis prête à payer plus cher. Pour l'amour de l'art, bien sûr. Allez, je vais m'arranger avec mon acheteur. Merci. T'es génial. Ah non, je t'en prie, si je peux pas faire une fleur à une amie. Parfait. C'est emballé. Je sais pas si vous réalisez, Madame Tazi, mais 10 ans de prison, c'est long. C'est très long. Vous avez pensé à votre fille? Vous avez pensé à Noura? 10 ans sans sa mère, c'est une adolescente. Vous allez tout rater. Elle va vous en vouloir, c'est sûr. Bon, écoutez, si vous avouez, le juge pourrait envisager une réduction de peine. Ce serait possible, ça. En revanche, il faut que vous ayez conscience d'une chose. S'il y a des preuves à trouver, on les trouvera. Et à ce moment-là, il n'y aura plus aucun recours. Est-ce que c'est clair?
Madame Tazier, votre garde à vue est terminée. Eh ben, le temps passe vite. Je vous le fais pas dire. Vous aviez 10 heures et elles sont écoulées. Bon, je sais compter, maître, merci. Vous avez de quoi déférer ma cliente ? Non. Bien, dans ce cas-là, je demande sa libération immédiate. Très bien. Madame Tazier, vous êtes libre. Allez-y. Merci. Je suis désolé de... J'ai fait ce que tu m'as demandé, d'accord ? La police trouvera jamais l'ordinateur. Merci, tu me sauves la vie. Non, je t'arrête. Je fais pas ça pour toi, je fais ça pour ta fille, uniquement pour elle. Pour pas qu'elle ait à payer pour tes conneries. J'ai jamais voulu te mettre dans cette situation. T'as tout fait pour. Si j'avais parlé de l'ordinateur aux flics, ils auraient compris que j'étais à l'origine de tout le système de blanchiment et j'aurais pris le maximum. T'imagines bien que j'allais pas faire ça toute ma vie. Mais oui, bien sûr, je suis con. Hein ? Pour arrondir ses fins de mois, rien de tel que de blanchir l'argent de la drogue. Pourquoi j'y ai pas pensé avant, moi ? Pour moi, le fric ne venait pas d'un trafic de drogue, Florent. Combien de fois il faudra que je te le dise ? D'accord. T'organises tout le système ? Et tu sais pas d'où vient le fric ? Jonathan l'a dit aux flics quand ils m'ont enregistré. J'étais pas au courant de ça. Bon, de toute façon, je sais pas pourquoi on a cette conversation, parce que je m'en fous. Je m'en fous. Maintenant, tu vas te débrouiller toute seule. Tu vas trouver un nouvel avocat. Je veux plus jamais entendre parler de toi. Je t'en prie, je peux savoir pourquoi, juste ? Ah, grâce à toi, j'ai vendu un deuxième touchy d'eau et à notre très chère Catherine. Ah, écoute, je suis ravi pour toi, même si je suis pas sûr d'y être pour grand-chose. Ah, mais si ! Mais je lui ai parlé de ton astuce pour faire grimper la cote des artistes. D'accord, je comprends mieux comment t'as réussi à la convaincre. Bon, tu connais Catherine, elle adore les artistes qui peuvent lui rapporter gros. C'est le cas de pas mal de collectionneurs. Je sais. Bon, en attendant, je t'invite à dîner ce soir pour fêter ça. Ça aurait été avec plaisir, mais alors ce soir, je ne suis pas disponible. Ah bon ? Qu'est-ce que tu fais ? Je dois faire l'inventaire de toutes les estampes qu'on a en réserve et ça doit être fait pour demain matin, dernier cara. Non mais ça, c'est pas grave. Dès que t'as fini, tu viens me rejoindre. Non. Enfin, je risque de terminer tard et ça m'embête que tu m'attendes. Par contre, demain, je suis libre. Alors, pas de chance, parce que l'offre, elle est valable que ce soir. Comment ça ? Là, je peux pas avoir une petite dérogation. Allez. Je veux bien faire un effort, mais juste parce que c'est trop bon. C'est bon, maman. J'ai fini. On peut y aller. Elles sont incroyables, ces photos. Ouais, t'as vu ? C'est Tushido. Je t'en avais déjà parlé. Il est trop fort. C'est vraiment génial que t'aies trouvé ce job dans cette galerie. Ouais, je me sens vraiment dans mon élément ici. Quoi ? Rien. Je suis fière de toi. Mais pourquoi ? Mais regarde, tu viens juste d'arriver et ta patronne te laisse déjà gérer toute seule. Non mais maman, pour l'instant j'ouvre et je ferme la galerie. Mais quand même, c'est une énorme marque de confiance. Non mais si, en vrai t'as raison. Surtout que c'était pas du tout, du tout gagné au début. Donc... Eh oui, elle a du caractère, d'après ce que tu m'as raconté. Oh là, oui. Mais là, c'est cool, on a trouvé un terrain d'entente, elle me fait confiance. Et puis même, là, elle m'a fait une démonstration de vente aujourd'hui, c'était mais trop stylé. Bah, raconte. Maintenant, je vais pas commencer à tout te raconter. Mais, en tout cas, elle est trop forte. Après vous. Merci.
sérieux. Je me suis fait avoir comme un gros con. C'est sûr que de coucher avec ta cliente, ça t'a pas aidé à y voir clair. Elle m'a menti depuis le début. Putain, j'ai risqué ma vie pour elle. Je comprends que ce soit un peu violent. J'aurais dû voir, j'aurais dû comprendre qu'elle était plus impliquée que ça. Quand je dis impliquée, elle a créé ce système de blanchiment, elle l'a créé elle-même. Bon, allez, arrête de te flageller, c'est pas un drame. Ça arrive souvent que des clients nous mentent, hein. Et puis toi, tu l'as très bien défendue, parce que d'après ce que j'ai compris, elle sera plus inquiétée. J'ai foutu en l'air mes valeurs. Mes convictions. Tout. Comment ça? En couchant avec elle. C'est pas très déontologique. T'en es où avec elle, d'ailleurs? Nulle part. Je l'ai déposée chez elle après sa garde à vue. Je lui ai dit que je voulais plus jamais la revoir. Je me sens tellement blessé. Tellement trahi. T'as pris les bonnes décisions. On va prendre du temps pour l'oublier. On va prendre du temps pour oublier tout ça. Je sais. Eva? Eva, t'es là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Merde! Oh merde! Il se passe quoi, là? Elles sont où, les photos? Alix Ardel. Oui, je vous appelle pour vous signaler un cambriolage. Hein, j'attends. Quoi? Mais non. Bon, tu touches à rien, là. Tu touches à rien. Oui. Oui, 36 rue Franquet, Montpellier. J'attends. Thank you.